Voilà, j'ai fait une petite entrée. Bonjour entrée. À toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On se retrouve pour continuer notre petite aventure, hein, tout simplement. Salut tout le monde. Salut. Yo. Et on avance bien, hein, quand même. On a presque fini. Sous la pluie, dans le noir. Mais vous avez pas l'impression qu'il fait plus souvent noir que jour dans le jeu? Mais pourquoi je peux pas construire ce putain de mur? Ouais. D'accord, il fait tout le temps nuit. Je peux construire celui-là. Ouais, pas mal en tout cas. D'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a des bûches par terre là, mais j'arrête pas de les enlever, elles reviennent, je comprends pas ce qui se passe. Peut-être parce que ça les dépose. Non, je suis parti depuis un moment, ça y est. Je repars recharger d'ailleurs. Ah, là je vais pouvoir construire mon mur. Mais c'est pas possible, c'est. Putain, puis c'est quoi cette putain de bûche par terre là? Pourquoi il y en a encore 3? Tu dis des gros mots. Ah, voilà. Quand même. Voilà, construction d'un mur. Voilà, et du coup je fais celui-là à côté et je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire? Je ne sais pas. Peut-être parce que t'as consommé les torchons, un truc du genre. Ah, peut-être qu'il y en a plus assez. Non, c'est, je peux pas. Moi, je peux faire celui-là, je vais faire celui-là parce que merde, voilà. Un, prout. Oh là 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 là, quelle violence, quelle vulgarité. Ouais. Oh là là. Aucune pitié, quoi. Bah, je pourrais pas le diffuser sur ma chaîne cet épisode. Je suis trempé jusqu'aux os. Normalement, j'ai homme de plein air, je vais vérifier. En fait, je crois que la zone de construction n'est pas forcément la zone où tu peux récupérer les bûches. Donc, c'est pas parce que tu les vois par terre. Ouais, faut que tu les récupères. Faut que tu sois. Elles soient très proches, mais pas là où tu construis, sinon ça bloque. Enfin, c'est un peu le bordel. Mais je crois que c'est elles doivent être dans la case où. Voilà. Genre maintenant, je peux. Ouais, mais si t'es trop loin, si tu te mets sur une case où il y a des bûches, mais que t'es trop loin, ça marche pas quand même. Là, ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Et je suis très essoufflé. Ouh, ça repose de construire les murs. Du coup, on a un trou dans notre maison, c'est ça l'idée? Non, dans la forêt là-haut. Ah non, on n'a pas encore de trou dans notre maison. Non, le trou, il est dans l'armurerie. Ah, c'est dans l'armurerie que t'as fait un trou. Ouais, la petite porte de. Comme ça, t'as une sortie du. D'urgence. Si, on peut si quelqu'un va vers le bas, je veux bien qu'on me ramène encore de quoi encore. Des clous à nouveau et. Des clous. Ouais, de préférence une boîte que je puisse ouvrir sur moi. Parce que ça me met 3 heures pour les récupérer sinon. Ah oui, d'accord, il y a vraiment un trou, mais complètement pas dans notre sens quoi. Quoi, pas dans notre sens? Bah, et vers l'extérieur de la base quoi. Bah oui. Pourquoi oui, pas sortie. C'est sortie. C'est pour faire une sortie. Non, mais j'acquiesce. Mais tu fais quoi avec tous tes clous là? Bah je fais l'atelier. J'ai refait tous les murs, ça coûte beaucoup de clous. Normalement, on va t'endèche. Je sais pas. Faut que je casse en fait, il fait des murs en métal mais de clous. Ouais, c'est un peu l'impression que ça donne. Là, faut que je démonte la porte qui est ici et la refasse. Clou, 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 clou. Alors, j'ai une boîte de vis, hein. Non, c'est pas ça qu'il te faut. Non, boîte de clous. Je sais pas à quoi sert la boîte de vis. C'est les caisses à côté. C'est pas une boîte de vis. Ah, putain, je peux courir, ça fait trop bizarre. Quoi. Boîte de clous. Je t'amène une boîte de clous, ça te va? Ah ouais, c'est super. Et les charnières de porte, poignée de porte, c'est ta. Il y a encore plein de bûches ici, à Dead Dead. Ouais, bah attends, déjà tout ce que je vais te ramener là-bas, tu vas. Hein, bon. Tu vas hein, parce que truc. Voilà. Hein, voilà, sinon, faut pas déconner. Vas... Merci hein beaucoup, voilà, le sinon, okay. Oh, bon, hein. Voilà, hein. Bon, je vais aller faire quelques petits. Putain, c'est le bordel ça. Quelques petits tissus. Voilà, une porte toute neuve. Tout est niveau 3 maintenant. Non mais j'ai toujours ma lampe, putain. Oh mon dieu, Slan évolue. Non, Slan va mourir là. Tout perd avant de mourir. Alors maintenant on a froid, c'est ça? Faut se couvrir plus... On n'est pas en plein été là, c'est quoi la blague? Non mais c'est quand t'es trempé. Alors là on arrive fin septembre, hein. Désolé, mais fin septembre il fait froid. Hein. C'est clair. Je sais pas, chez moi déjà les nuits sont à 2 degrés.
Ah mais tout le monde n'habite pas au Canada. C'est clair. C'est qu'à l'est, c'est qu'à l'est. Tabelnak. Tabelnak. C'est qu'à l'est. Corlus. 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 Chris. On s'excuse déjà s'il y a des. Voilà, alors je mets. Plusieurs francophones, hein. Plusieurs québécois. Ouais, non, mais de toute façon, vous savez bien qu'ils ont un humour de merde. C'est québécois ? Oui, c'est pas faux. C'est québécois que t'as pas compris ? T'as pas. Bon, bah je suis en train de ramasser 51 clous, du coup je vais faire un AFK d'un petit quart d'heure. Mais je peux faire ce genre de blague parce que j'ai des amis québécois. Ah bah oui, tu peux. Si t'as des amis québécois, tu peux faire les blagues sur tous les québécois. Ouais. En plus t'es belle. Par contre, comme ça, j'ai une question. Au moins t'as quelque chose à faire. J'ai des amis qui sont guinéens, du coup est-ce que je peux... Bah c'est ce que j'allais dire comme truc, j'allais dire autre chose, mais dans l'idée... Oh non, mais ça suffit. Ah oui, c'est vrai, après ça va... Ça va encore être censuré en plus. Ouais, ça va jaser dans les chaumières. Donc, changement de sujet. C'est beau. Quelques bûches pour aller construire en bas. Non, pas trop, non. Il fait fou, non. Et moi, j'ai commencé à faire mon plafond. Tu veux pas terminer ce foutu mur autour de la base avant de faire tes petites commodités à la con. C'est la saison des moussons en ce moment, non? Mais non, mais on en a besoin du plafond. Comment on va protéger une fois qu'on verra pas ce qu'il y a dehors? Comment on va sortir sans si. Vous allez ouvrir le portail sans savoir ce qu'il y a derrière. Merde. Ça colle avec tout. Tu dis merde parce qu'il a raison. Quoi? T'as dit merde parce qu'il a raison. Non, parce que de base je réponds merde, ça colle avec tout. Ah oui. Moi j'ai plus de bûches, je vais aller vous piquer vos bûches de mur. Ok, Il va finir par démonter nos murs pour avoir des bûches. Oui, c'est clair. En fait, si vous retournez de l'autre côté, bah il manque 20 mètres. C'est ouais, mais j'avais besoin de bûches. Elles étaient posées, là, elles étaient toutes belles. Je dis, bon, bah, je vais me servir. Hein. Ouais, je vais vous dire, je vois pas de quoi vous parlez. Puis après, quand vous irez voir les vues, vous allez faire le salaud. Et après, tu te demandes pourquoi tu te prends des malencontreux coups de hache à travers la tête. Mais c'est clair. Et pourquoi personne ne t'aime? À part tes vues, non, évidemment. Qui m'aime, c'est vous qui êtes détesté. Surtout, Katox, il est pas trop aimé. Ouais. Mais bon, ouais, là, touche pas avec moi non plus, le trou du cul. Et moi, ça me va bien. Quoique Katox, il y a quand même un consensus pour qu'il devienne le maire de la ville. Ouais, non, tu vois, il est plus aimé que moi. Je suis le moins aimé de la série, mais c'est pas grave, ça me va bien. Ouais, c'est vrai que t'es pas très aimé, ouais. Est-ce qu'on a perdu le signe depuis 10 minutes, là? Non, je suis là. Ah, pardon, cool. Katox qui essaie de me mettre tes coups de hache. Bon, j'ai quelques adorateurs, quand même, qui sont fiers de mon rangement quotidien. Non, t'en as un, c'est toujours le même sur toutes les séries. Hein. Bon, c'est vrai. C'est lui-même sur un autre compte, c'est. Il s'appelle Dame Nod. Dame Nod. Je sais pas qui c'est, mais c'est vraiment quelqu'un de très inspiré. C'est pas grave. Mais y'a plus assez de bûches, Katox, tu fais quoi là? À un moment, je ferai grève et puis ce sera un vrai dépotoir et puis les gens. Bah, t'as pas un peu fait grève déjà la moitié de l'épisode précédent? Pardon? Non. Je vois pas de quoi tu parles. Parce que déjà, sans mon idée d'utiliser l'ambulance, je peux te dire que les bûches elles arriveraient bien plus lentement. Wow. Y a plus de bûches là, je sais pas ce qu'il fout Katox. Il met des coups de hache dans moi au lieu de mettre des coups de hache dans les armes quoi. Mais c'est Damien qui ramène des bûches. Moi j'ai déjà. Attends, j'ai déjà coupé la moitié de la forêt. C'est clair. Ouais, t'as peut-être coupé la moitié de la forêt, mais bizarrement y a plus rien. Enfin, moi tout ce que tu avais coupé c'est fini. Hein. Y a plus de forêt. Il y a longtemps que j'ai tout ramassé. Hein. Mais bon, bon pas bah, grave. Je vais revenir faire une radia. Non, mais c'est bon, j'ai fait déjà tout seul. Hein. Mais bon, forcément, quand tu dois couper et ramasser et lier et déposer machin, bah tout seul, alors qu'on est quatre, ça prend du temps. Ah oui, tout ça, c'est long. Mmh. Oui, pendant que les autres, ils font quoi? Ils donnent des coups de hache aux gens, ils. Je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a que moi qui bosse, de toute façon. Comme toujours. Voilà. Puis je me plains jamais en plus. Ouais, je suis assez d'accord. Tu te plains trop et tu fous rien. J'avais aussi cette impression. Pourquoi il n'y a plus de planches? Est-ce qu'il y a des bûches, c'est ça peut-être? Touche pas nos bûches. Non, j'étais en train de ranger tranquillement les chiffons, ça. Tiens. Non, t'as eu ce rangement parfait au niveau des chiffons. Je parlais à Sun. Tu peux pas faire ça. Hein. Non, je peux pas faire ça.
Tu veux que je les réorganise ces chiffons? On n'est pas trop organisé, moi, tu vas voir. Ouais, des bûches. Il est arrivé. Les bûches sont ok, il y en a plus. Livraison de bûches. Laissez-moi les piles de bûches, hein. Je m'en occupe. Ah bah attends, je te la remets. Non mais ou fais-le, mais faut que je récupère les cordes derrière, quoi. Si tu récupères les cordes, non mais c'est pas con. De toute façon, je peux prendre plus, voilà. Putain, y'a quelqu'un qui me les a piqués, quoi. Je t'ai vu, Katox. De quoi? C'est un malentendu. Bon, je vais fumer un coup, peut-être que comme ça, je serai plus mouillé. Oui. Oui. Tiens, oui. 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 C'est, oui. J'ai gagné mon premier point en menuiserie. Bien joué. Pour fêter ça. Rien. Ouais, définitivement. Je suis malade. Je vais repartir. Attends, t'es malade, recule pas, hein, je suis juste derrière. Hein. Il y a marqué blessure critique, mais. Est-ce que je peux te pousser? Je pense que c'est parce que je porte trop de charge en fait. Ouais, à force d'abuser, tu vas finir par mourir et puis c'est tout. Bah là, je suis à deux doigts de mourir en fait en vrai. Lucine, prépare. Équipe, mets-toi une arme dessus. Hein, voilà. Équipe-toi d'une arme. C'est mieux. C'est triste, j'avais pas envie de mourir. Hein. Non, mais c'est pas question d'envie de mourir, on va dire, c'est ça. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'aime les bien gens, ils meurent, fées. L'heure est venue, voilà. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et tu sais quoi, pour fêter ça, on va t'offrir un bambou. Et tu sais pourquoi un bambou? C'est pour t'habituer à la terre. Ouais, c'est super. Il aime les bambous et il... Mais je reviendrai, hein. Ah merde. Plus vite que vous ne le croyez. Double merde. Peut-être un peu trop vite, en fait. Qu'est-ce qu'il manque? Ah, il manque des tissus déchirés, zut. Faut pas changer. Quand je disais qu'il en fallait beaucoup au début, on se fichait de moi. Personne s'est jamais fichu de toi, franchement. Change extrêmement tôt dans cette série. Je crois que c'est ça qui me tue, en fait. De quoi, qu'on se fiche de toi? Non, mais... non, ça m'a pas tué, jamais. Ah, et c'est le fait de porter 50 sur 50 en permanence, quoi. C'est peut-être un tout petit peu trop. Léger. C'est léger, je veux dire, tu pourrais... 51, c'est peut-être un peu trop lourd. Ah ouais, mais bon, ça va, quoi. Personne me coupe des bûches. Mais normal, on est en train de terminer d'abord le premier... Ah, mais il y a toujours ce zombie buggé, dis donc. Il est toujours non, lui, il vient d'être buggé, je l'ai décimé il y a pas longtemps. Et il revient? Bah oui. Et faut faire attention, parce qu'il y a de plus en plus de zombies, ils ont l'air de rien. Tu dis, ouais, mais ils sont morts, et en fait, non. N'empêche que... En fait, ils sont vivants. Ouais. Avec le fait qu'on ait mis que ils les cadavres morts, au bout de 7 jours, on commence à voir un petit peu clair autour de la base quand on bouge plus et qu'on fait plus de bruit. Et ça c'est bien, ça évite d'avoir l'impression d'avoir une fosse sceptique à côté, quoi. C'est ça. J'ai une jolie plâtrée d'icônes. Ah, j'ai faim. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de manger? Non. C'est pas un peu gâché? Je sais pas, si tu comptes mourir, peut-être un peu, ouais, quand même. Alors, je voulais pas mourir à la base, mais... Il se j'ai l'impression que je vais pas trop avoir le choix. Vitesse de déplacement fortement réduite. On aura bientôt terminé. On aura bientôt terminé. Ouh. Ouais, encore 250 bûches, quoi. Non, regardons Ted. Non, faut pas me taper. Hein. Et c'est très bien. J'ai encore plein de trucs à construire pendant que je peux avec mon talent de menuiserie là. Après, ce sera qu'un truc qu'il sera obligé de faire et ça va être tout traviole. Hop là, une petite hache. Non! Laisse-moi vivre. Oh, mais arrête de du bois. Penser tout le temps à toi. Quoi, la hache, c'est pas pour moi? Ok, le camion est plein. Ah, je peux te charger un petit peu sur toi si tu veux et après partir à deux, on se casse. Je peux porter 4 bûches avec mes deux sacs. Entre ça et Katox qui vient et qui pique tout le reste là. Oui. Oui. Allez, j'en prends une. Allez, go. Dur, hein? J'arrive. Je marche vite, attends. Je marche vite.
T'es bon, je suis là. On laisse Katox derrière, pas de regret. Non, mais y avait, vous avez laissé une bûche derrière. Ouais, ça. Parfait, donc moi je complète mon sac. Tu vois, je suis un peu le. Tu sais, le... comme les gens qui viennent après qu'on a récolté un champ, tu vois, ils viennent récupérer des trucs, bah voilà, c'est moi. Top, comment on fait pour interrompre quand on dépose des trucs? Bah, comme tout à l'heure, démerde-toi. Mais non, ça recommence, hein. Quoi? Mais comment vous faites, vous? Moi je bouge, il s'arrête, hein. C'est-à-dire que je moi, sais je pourquoi ça s'arrête pas, j'ai compris. C'est parce que tu poses des trucs par terre, t'es pas censé les dépasser par terre. Parce que je bouge pas assez vite, bouger ça interrompt, mais je bouge pas assez vite donc ça interrompt. À court pas. Si tu mettais les trucs ailleurs que par terre, genre dans des conteneurs, ça marcherait. Mais dans des conteneurs, pourquoi je suis en train de construire des murs, des palissades et des trucs comme ça? Pas construire un conteneur devant chaque palissade. C'est un peu con. Non. Bah visiblement pas tant que ça. Parce que nous on n'a pas le problème. Bon c'est bon, reste pas derrière. C'est parce que toi tu te reposes à côté devant. Tu peux y aller. Vas-y. Je recule, hein. Bip, 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 c'est bon. En fait, je vais y arriver quand même. Bon sourire. Oh oui, j'y arrive. Envers et contre tous, j'y arrive. Il va quand même falloir qu'on aille jeter un oeil à quoi ça ressemble sa construction. Ah oh bah non, bah là je suis au portail là. Vous m'avez dit de faire la muraille extérieure, je fais la muraille extérieure. Hein? Bah non mais tu fais pas une muraille, tu fais un escalier. Bah oui. Pour qu'on puisse voir ce qu'il y a devant le portail. Bon, il va être temps de faire la chicane je crois Katox. Ouais. Je peux vraiment te chicaner. Il y a une hauteur limite au niveau des bagnoles? Non, je crois qu'elles ont toutes. Hein. Intéressant, bonne question. On saura bientôt. Je peux vous voler. Si l'ambulance embarque tout, surtout avec un. Si l'ambulance devient décapotable, c'est qu'il y a une hauteur limite. C'est ça. Ouais, je vais mettre des bûches, de toute façon. Au pire, vous allez me tuer, et puis voilà. Putain, il est mal. Ah, on va pas te tuer. Voilà. On va te guérir de manière à long terme. Et tout est une question de point de vue. Exactement. Je suis pas du même point de vue que vous. Je trouve que vous êtes très méchant. Oh, méchant. Voilà. Tuer les morts, je trouve que c'est dégueu. Ouais. Voilà. Mourir pour cause de décès, c'est jamais évident, quoi. Allez, on va aller dormir un peu, ça éliminera 4 statues, ça sera pas plus mal. Et puis je le redis, là, c'est carrément, je meurs, mais vraiment à l'insu de mon plein gré, quoi. Mais je t'ai dit, hein, quand t'étais mordu, tu pouvais rester en vie super longtemps. Hein. Ben, je sais, mais tu là... Tu peux pas me croire. Là, c'est trop dur. C'est trop dur. Je suis fiévreux maintenant, et j'ai un petit creux. T'as dit, moi j'ai une petite blessure, elle veut pas se guérir, hein. Je sais pas trop comment ça se fait. Ah, peut-être parce que tu changes jamais tes bandages? Non, justement, j'ai pas de bandage, j'ai rien, j'ai pas de traitement à faire, que dalle. Mais après, je mange pas, je bois pas, je coupe du bois, donc ça joue peut-être. Hein. Faut pas t'inquiéter alors. J'aime pas quand tu me dis ça. C'est jamais très rassurant. Ah bah, venant de Slan. Bon, il reste quoi? Une dizaine de palissades? Morsure, mettez un bandage et priez. Ok, il a été mordu. Non, je regardais le panneau de santé. Il a été mordu, il vient de le dire. Je viens de voir qu'il y avait un petit information en haut là. Du coup, je regarde les différentes blessures fréquentes. Fais chier! Il est fréquemment mordu! T'as cassé ta hache? Ouais. Donc, je viens couper du bois. Ouais. Au bout d'un moment. Faut que j'aille la réparer. Moi j'en ai une sur moi. J'en aurai bientôt plus besoin si tu veux. Bah ouais, mais en attendant je vais quand même la réparer. Elle est plutôt en bon état, mais par contre il me faut des bûches pour continuer à bosser avant de mourir. La bon. Pose devant le portail, enfin à côté du portail. Qu'est-ce qui reste à manger? Une petite salade de jambon. Ah, c'est très bien ça. On va manger la moitié par exemple. Ouais, bah je prends quand même hein, si tu le fais effectivement. Oh bah on peut la manger en entier.
Ah non. Tu l'as déposé là ? Non, je l'ai déposé de l'autre côté. Ah oui, ça m'a vachement allégé quand même. Ouais, c'est bon, je la vois. Ah, ce sandwich là, il est rentable. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'épices dans celui-là. Blessure hautement critique. Bon, c'est rien hautement ça. Hautement critique, carrément quoi. Non, mais ça dit ça quand c'est neuf. Je parle des os. Ça pas l'air si grave. Non. Alors, déjà, le bol, on va le foutre là. On peut rien mettre d'autre, on peut rajouter des trucs. Je t'ai vu, t'es derrière. En bois, de toute façon, tu peux rouler, tu peux y aller. Hein. Tu veux ? Il me reste un pixel de vie. Tu veux que je te le fasse ? Non. Ouais, alors c'est que c'est pas vrai. Sinon, tu m'aurais dit oui, vas-y, achève-moi, j'en ai marre. Non, je veux construire au maximum. Quand je vais revenir, je serai même plus capable de planter un clou. C'est moche quand même. Hein. Oh, ça va. Vous êtes vraiment méchant en fait. Alors que t'avais un bon niveau et tout. Bah oui. Et encore, j'avais même pas lu le livre. Hop là. Ouais, bah t'as bien fait, ça sert à rien en fait. Tiens, allez, je clique. Voilà, niveau 8. Ce signe noir, il m'attend pour me tuer. Mais il est en train de casser toutes les bûches là. Okay. Tiens, je te pousse. Tu peux pas me pousser, je pèse tellement. J'ai tellement de planches sur moi. Tu peux pas me bouger quoi. Mais avec l'ambulance, il a essayé. J'ai pas vraiment essayé parce que sinon je pense que. Hein, c'est un voilà. Rock. Tiens, il y a des larges metal sheaves dans ce coffre. Oui. Intéressant. Oh putain, ça pèse une tonne. Bah oui. Vache. Bah déjà, il y a le mot large donc, à mon avis. Il faudrait vraiment qu'on se concentre après si on veut faire de l'acier sur le propane. Hein. Ça va vraiment nous manquer. Bon, je crois qu'avec le nombre de bûches là, ça devrait aller. On a quand même un peu de propane. Ça devrait le faire. Faut pas abuser non plus. Alors vous avez vu ce que j'ai fait là au-dessus du portail ? Ouais, j'ai vu, ouais. Enfin, je suis pas allé voir, mais j'ai vu. T'as vu ? Mais t'es con, il se fout de ma gueule, lui ! Non, mais je veux dire, je suis pas monté dessus pour voir de près, quoi ! Non, mais c'est gentil, tu me réconfortes et tout, c'est mignon, mais... Est-ce qu'on peut tomber si on se gourre en montant ? Oui, et surtout, si tu tombes et que tu te casses une patte, je veux dire que t'as pour 15 jours... Ah, putain, il a sauté. Mais n'importe quoi. Et alors d'accord, mais tu peux pas mettre des barrières ? Faut vraiment marcher quoi. Ah bah, en fait, je suis en train de mettre une barrière. Ouais, mais si tu mets une barrière, on voit plus rien du coup. Bah si. Non mais derrière toi. Derrière en fait. Je mets des barrières là. C'est des clôtures. Ah bah, c'est des clôtures. Mais on voit plus rien. Ah si. Non, moi je vois pas en tout cas. Comme ça tu vois pas. Ah ouais, si je vois. Bon, bah, en fait, c'est bizarre. Ah oui non mais c'est l'angle qui fait que c'est bizarre. Ok. Tu peux mettre des barrières sur l'escalier ? Je crois pas, non. Mais tu peux mettre un mur de l'autre côté de l'escalier. Et des barrières au-dessus. Est-ce qu'on a des buts? Alors on pour peut toujours tomber mur, si on fait comme un couillon, si on fait E. Ça va arriver petit à petit. Tu tombes si tu fais E ? Bah oui, parce qu'en fait tu passes par-dessus. C'est la clé pour passer par-dessus. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est des clôtures, tu passes par-dessus les clôtures. Attention ! Ok. Ça sent le truc fun, ça. Non, bah, attention, ouais, ça sent la telle, hein. Bah, faut faire gaffe, faut bien appuyer sur Z ou sur D, quoi. Bon, il nous reste juste de quoi prendre 6. De quoi faire 6 murs et c'est bon. Excellent. Putain, c'est le bordel. Comment ça, quel bordel ou ça? Est-ce que quelqu'un peut me ramener une salade? J'arrive là où il y a le mur qui est en cours de construction. Mon personnage crève la dalle très sérieusement. T'auras bientôt de la chair fraîche à manger là. Oui, mais je vais pas y toucher à celle-là hein, si tu peux permets. Et si par hasard quelqu'un peut me déposer ça pour que j'arrête pas ma livraison. Moi je vais quand même essayer d'aller me soigner un petit peu là pendant qu'il me reste un pixel de vie. Je vais boire, je vais manger, je vais arrêter de porter des charges lourdes. Si j'ai le temps, hein, parce qu'avant je veux finir ma clôture. On va laisser le propane dans le barbecue quand même, au cas où on en ait besoin. Au cas où un jour on se fasse des brochettes. Donc t'as besoin d'une salade, c'est ça? Ouais, ça t'embête pas. T'as besoin d'un truc calorique ou pas? Bon, non, il a très faim, mais bon, comme il est obèse, ça lui fait pas de mal. Qu'est-ce que je vais poser ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une salade de fruits, c'est pas ouf, tiens, ce sandwich, il est pas...
Je peux plus bouger. Est-ce que je peux porter que 5? Ah ouais, c'est compliqué hein, quand tu peux porter que 5. Alors, t'es où? Je suis là où ça construit. À côté du portail. Je te le pose par terre. Ouais, ouais, t'embête pas. Alors, j'ai une blessure mortelle. Ouais. T'en remercies bon, beaucoup. Mais je pense qu'en arrêtant de bouger, en me restaurant... Bon, je vais te laisser finir, Katox, histoire de synchroniser sur la chicane. Ok. Ouais, impeccable. Je ne faillirai pas la chicane. Il est déshydraté. Moi, j'entends cogner un zombie quelque part, là. Ah. On est d'accord que le coffre est vide. Le coffre est vide. On fait pas de marche arrière. Non, non. Bon, là, c'est pas besoin. J'ai déjà prévu pour partir en marche avant, là. Je l'entends d'ici. J'entends pas, moi. Ouais. Mmh. Je vais essayer d'aller le tuer. De toute façon, il me reste que quelques secondes à vivre. Ça fait un... Je te suis. Ouais, mais tu sais que ça fait un épisode entier que tu dis ça. Là, pour le coup, comment dire. Ça commence à être de plus en plus vrai. Ça commence à être très très vrai. Il est derrière toi. Pourquoi j'ai une scie par terre? Putain, on voit rien encore là. Et il est 16h, hein. Ah mais je vous dis franchement, vous êtes sûr qu'on est pas en Inde ou un truc dans le genre et que c'est la saison des moussons? Parce que franchement ouais. Ah, t'es mort. Hyde is dead. Slan is dead. Oh non. Il se relève pas. Si si, il va se relever. Je voudrais pas mourir tout de suite. Je m'appelle Sharon Anderson bientôt. En tout cas, on se souviendra de toi pour tes magnifiques lancers de cordes de draps sales. T'es trop triste. Hein. Tu auras marqué une génération pour ça. Putain, y'a des zombies qui tapent sur notre mur de partout quoi. Sérieux? Ouais. C'est qui mon personnage? Oh là là, mais tout ce que t'avais sur toi, mais pff, putain. Mais là, je vais le reprendre. Ah, mais t'as même le porte-clés de Damné. Mais chut. C'est vrai? Piquer ses clés! Ah non, mais récupère-moi ça, dis donc! Y'a peut-être des clés intéressantes là-dedans! Ah la vache! Ah, après, il dit, mais je comprends pas, mes clés disparaissent et tout! Ah putain, mais quel abruti ce mec! Ah la vache! Récupère-moi ça! Pas le droit de fouiller mes affaires! Récupère-le, s'il te plaît! Ah bah j'ai ramassé tout ce qu'il avait, il a décidé de mourir dehors, là, on va pas tout laisser dehors! Franchement, c'est dégueu, vous avez pas le droit de. Tais-toi, toi! Traître, fais long. Prends mes affaires. Espèce de pourriture. C'est le cas de le dire là pour le coup. Communiste. Alors je vais prendre la pile pour faire des trucs plus solides. Ah ouais. À droite, tiens. Non, y a rien dans le porte-clés de Damné. Ouais, bah c'est bon, tu peux lui rejeter à la gueule alors. Et dans le sien. Il a plein de clés de bagnole. T'as raison de vérifier, hein. Non, il y a 7 clés, mais c'est des clés normales. Ouais, d'accord. Intéressant. Bon, le signe, je te laisse poser le dernier mur. C'est pas mon bonhomme, ça. C'est pas. Non, c'est je suis loin. Je suis en train de ranger tout ce qu'il avait sur lui là. Ah, donc mais vous êtes en train pas, de me faut dire pas, que ça je vais y venir prendre toutes mes affaires. Ouais. Bah, tu peux quand même ramener des bûches parce que ça fera des. Bah, je remplis et puis après termine. Comment on enlève cette saloperie? C'est plus nulle part, histoire que. J'avais même pas trouvé mon personnage. J'ai pas coupé de trucs pour rien. Non, j'ai l'air de. Tu peux en mettre encore une. Normalement, j'étais encore ingénieur. Pas ton personnage. Ouais, sinon c'est pas grave. Normalement, j'étais ingénieur. Ouais, sinon regarde, hop. Voilà. Ah, ça doit être celui-là. Ah, mais non, mais t'as pas repop encore. Non. Tu peux en mettre une dans le coffre, plus une sur moi et c'est bon quoi. Menuiserie, mécanique, discrétion. J'en prends deux sur moi. Protection, électricité, autodéfense, poipesse surdoué. Je prends tout en fait. Ouais, ça doit être ça. Hop. Zéro point dépensé, ça doit être celui-là. Tu veux que je te ramène en bagnole? Ouais. Bah non, je vais réapparaître à la maison normalement, moi. Ah oui, c'est. Non, d'accord, personne ne m'a proposé à moi. D'accord. Bah non, parce que. Attends, je suis quand même fatigué à faire que tout le monde repop à la maison, c'est bon. Tiens, ce que tu vas faire, je vais te lâcher avant, tu vas m'ouvrir le portail, parce que j'imagine qu'il est fermé, puis je vais rentrer la bagnole. Calotte, okay. Le mari là, qui est au volant de son. Qui est au volant tranquille. Ah, tu peux pas descendre, m'ouvrir le portail. Oh, ça va. C'est toi, Slan, t'as pas mis de truc automatique. Ah, la petite chute qui va bien. Ouais. J'allais couper le moteur, mais bon. Allez, rentre. Vas-y. Ça passe ou pas?
Ça passe large. J'étais tout posé. Je suis en train de me connecter, mais ça a pas trop l'air de connecter. Attention, je recule, je t'ai vu, hein, mais je te vois. J'ai posé tout ton équipement dans ton atelier, Slan, si tu veux. Je vais juste en prendre deux. On fait quoi les autres? On les laisse dedans? Bah comme ça, si cela n'en a besoin. Ouais, alors attends, je te mets celles qui sont là. Allô les enfants, moi j'ai plus qu'un écran noir, hein, je reconnecte pas en vrai. Ah. Ah bon? Ah si! Si si, ça y est, je suis apparu sur un billard. Sur une table d'opération? Direct. Endormez-vous monsieur, tout va bien se passer. Allez. Dans ton atelier, Slan, dans ton atelier. Je peux seulement annoncer que le mur est complet. Ça y est, regarde la forme que j'ai, comment je cours vite et tout. Le mur est complet, ouh. Le mur est complet. Et la voiture est rentrée et tout, ça passe. Ah, trop la classe. Ah, bordel, qu'est-ce qu'il a fallu du temps à faire ce mur à la con. Ouais, j'avoue. Tiens, mais les bûches, on peut pas les poser sur les palettes, là? Ah non, ça marche pas. Bon, on va les poser par terre, quand même. Là, j'avais un bol d'eau. Oui, t'avais un bol sur toi. Bah non, c'était un bol vide, mais il a dû se remplir depuis. Comment ça ramasse tout vite? Ah là, bah oui, là. Ça change la vie, ma hein. Ma vie a changé. Elles ont ça où mes tomates là? Ma vie a changé, je peux plus rien faire. Faut que j'aille bouffiner pendant 3 siècles. Ah, cool. Je les mets... On les met où les bûches restantes? Bah non, faut dans l'atelier où là où on construit en bois. Sur le portail. Ah, sur le portail ou dans l'atelier. Non, mais je te mets ça par terre. Il y a encore des zombies qui tapent sur notre mur là. Par contre, bah moi ça va être une session de lecture, hein. Au minimum menuiserie déjà. Tant que tu les remets à leur place après. Je connais pas leur place. Ouais, ouais. C'est bien ce qui m'inquiète. Il y a plein de trucs à lire. Bon, je vais faire le tour, voir un peu les zombies. Ouais, qu'est-ce qu'ils racontent? Alors... Est-ce qu'on a encore des cadavres dans la base? Ah, mais tu l'as cassé les mains, ouais. Ah non, c'est Slan qui est mort là. Ouais, c'est Slan qui est mort. Regarde. Mais vous êtes méchant. De toute façon, c'est vous, hein. Je suis sûr, vous avez mis des trucs dans la bouffe. Ouais, tout de suite. Et moi, c'était une simple, petite, minuscule égratignure. Je t'ai fait un burger au plutonium. Qu'est-ce que tu te plains? Et comme par hasard, je suis au corps mort juste devant le signe noir. Hein. Il me regardait, l'autre en se frottant les mains. C'est du fric. Tu saignes beaucoup quand même, qui me dit. Là j'ai commencé à voir ses dents et en tapotant langue. Son couteau sur la paume. Ça doit être douloureux. Mais je ne saigne pas du tout. Puis tu sais, il te surine 4 fois. Bah si, regarde. Tu saignes. Maintenant tu saignes. Voilà, tu saignes là. Puis de là aussi, regarde là. Ça t'apprendra de plein. Bon, tout de suite, premier livre que je lis, premier secours pour les nuls. On a marre de mourir. Codement. Mais codement, mais oui. Et tu sais comment je suis mort? J'ai fait toute mon expédition en solo dans la ville, en train de courir pour esquiver tous les zombies comme un roi. J'arrive ici. Je rentre dans l'atelier, j'entends frapper à la porte. Je me dis, mais qui cela petite vient y l'être? Mais oui, mais j'ouvre. Et le zombie, il se précipite sur moi et il m'égratigne. Il m'a même pas mordu, le salopard. Il a même pas fait les choses bien. C'est moche, hein. Il y a vraiment des morts à la con. Mais c'est clair. Genre, plus mort à la con, tu peux pas. Faut compatir. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cet épisode-là. On va laisser les viewers compatir jusqu'à la prochaine fois. Je suis sûr qu'ils auront plein de compatitions à te mettre dans les commentaires. Non, mais c'est gentil, viewers, je vous aime, moi aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour soutenir Slan pendant cette période difficile. Et on se dit à très bientôt pour la suite. A plus. Salut.